ذكرنا فيما تقدم أننا ندرس فقه السير، لماذا؟
On a vu précédemment qu'on allait voir ensemble la jurisprudence du jeûne. Pourquoi ? Les oiseaux migrateurs sont passés pendant que le Cheikh Al-Azimir a assisté à un cours de son Cheikh Saadi Kallah en face de Donc les oiseaux migrateurs, lorsqu'ils migrent, ils sont assez nombreux et qu'ils attirent l'attention. Donc Cheikh Al-Azimir, pendant le temps qu'il prenait Cheikh Saadi, il s'est mis à les observer. فقال ابن سعد للشيخ العزيز رحمه الله جميع قال له يا محمد صيد العلم افضل من صيد الطير Et cette parole de Cheikh Saadi a eu un fort impact chez Cheikh Al-Azimir et il s'est mis à se demander, en réfléchissant dans son fort intérieur, comment est-ce que je peux regarder des oiseaux dans le cours de Cheikh Saadi. Pourquoi étudions-nous la jurisprudence du jeûne? Car toutes les adorations que nous sommes légiférées ne sont acceptées que lorsque deux conditions sont réunies en celle-ci. La pureté de l'intention et la conformité à la tradition du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et lorsque le mois du Ramadan arrive, qu'Allah fasse que nous l'atteignions, eh bien il devient obligatoire pour nous de nous instruire dans tout ce qui a une relation avec le jeûne. Et donc, dans ce qui est donc le cours aura lieu avec, on va dire, le centre du cours, le sujet du cours sera la jurisprudence du jeûne. Comment définit-on le jeûne religieusement parlant? الصيام التعبد لله بالامساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. نعم. Donc le jeûne est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala par le biais d'une abstinence concernant toute nourriture, boisson ou autre acte qui rompra le jeûne du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Et donc à travers cela, nous savons que le jeûne nécessite obligatoirement deux piliers, qui sont donc deux piliers qui sont l'intention et l'abstinence. Donc de toutes les boissons, nourriture ou autre acte qui interromprait le jeûne du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. L'intention pour le jeûne. Qui sait comment doit être l'intention et comment, en combien de catégories se divise-t-elle? Anniya
تنقسم في الصيام إلى نية في الفرض ونية في النفل. ولا بد من النية في الصيام سواء كان في الحالة في الفريضة أو في النفل. Donc il y a deux, l'intention se divise en deux catégories, une pour l'obligatoire et une pour la suite obligatoire, et il faut absolument dans les deux-là l'intention de jeûner. النية محلها هذا التلفظ بها بدعة في كل العبادات واستثناء. L'attention, sa place se trouve dans le cœur et le fait de la prononcer est une innovation dans toutes les adorations. Le reste, il ne sera pas.
رمضان. إخواني ما حكم صيام شهر رمضان؟ سبحان الله. تعرف؟ نعم. واجب. حكم صيام شهر رمضان واجب بل معروف من أركان الإسلام. نعم. ما الدليل؟ الكتاب والسنة إجماعكم. Le jugement du jeûne du mois de Ramadan est donc forcément obligatoire et fait partie des piliers de l'islam. Et la preuve de cela se trouve dans le Coran, la tradition du prophète et dans le consensus des musulmans. Quel est l'intérêt de rajouter aux références dans lesquelles on trouve les preuves de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan qui sont encore en relation avec le consensus des musulmans. Pourquoi ne pas se contenter de dire le Coran et la tradition du prophète ? Non. Car celui qui s'oppose au consensus de la communauté aura certes fait de la mécréance. S'il est un nouveau musulman, un nouveau converti, on lui enseigne, on lui apprend l'obligation du jeûne. S'il se résigne à cela, tant mieux. S'il insiste et persiste dans son abnégation, alors il sera mécréant. Mal hikma min farriyat al-siyam, ay siyam shahr Ramadan. Mal hikma. Quelle est la sagesse de l'obligation de jeûner le mois de Ramadan? Même en français, si tu peux parler en arabe, tu peux répondre à la question en français. Non, mal hikma min siyam shahr Ramadan. Ma hiya al-hikma min. الأول التحرم والدليل يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيم. فتح الله عنك. Allah dans le Coran, vous qui avez cru, le jeûne du Ramadan vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés qui nous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Et la piété consiste à mettre entre soi et gentiment d'Allah Ta'ala la protection en accomplissant ce qu'il a ordonné et en obéissant ce qu'il a interdit tout en glorifiant Allah et en l'aimant. Autre sagesse de l'obligation du jeûne. نعم ما الحكمة؟ أخرى سجلسة نعم تهذيب النفس
على طاعة الله وتربيتها على طاعة الله عز وجل. الحكمة في أي حكم من أحكام الشريعة، إذا سأل أي إنسان عن أي حكم من أحكام الشريعة، مثلا لماذا نصلي الفجر في هذا الوقت؟ ولماذا نشرب الفجر ولا نشرب الظهر؟ ولماذا نصوم رمضان ولا نصوم شوال؟ ولماذا يكون الحج في شهر كذا؟ ولماذا كذا؟ أي إنسان يسأل عن حكمة أي حكم من أحكام الشريعة تأتي بما أجابت به المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Quelle que soit l'adoration qui est légiférée, que ce soit lorsque quelqu'un te pose la question concernant l'heure de la prière, pourquoi prie-t-on cette heure-ci, ou encore pourquoi prie-t-on avoir autre en telle prière et avoir pas en telle prière, pourquoi est-ce qu'on jeûne le mois du Ramadan et pas pendant le mois de Shawwal, pourquoi le mois de pèlerinage est lieu dans tel ou tel endroit, ou bien dans tel ou tel moment, n'importe quelle adoration qui est légiférée, pour que lorsqu'on te demande pourquoi est-ce qu'on doit le faire, réponds-lui avec la réponse de Aïcha radiallahu anha qui est. On a interrogé sur la femme qui a ses menstrues, pourquoi doit-elle attraper le jeûne, elle ne doit pas attraper la prière. Fayyamat, radiallahu anha, qalat kunna nu'mu bi qada' as-sawm wa la nu'mu bi qada' as-sawm. Anta 'abd wal 'abd laysa lahu illa an yaqul sami'na wa ata'na wa la yus'al 'amma yaf'al wa hum yus'al. Elle a répondu, on nous ordonnait, lorsque nous avons nos menstrues, de rattraper nos jours de jeûne manqués, mais de ne pas nous avoir ordonné de rattraper nos prières. Donc n'oublie pas que tu n'es qu'un esclave, et l'esclave, son devoir, c'est d'exécuter les ordres qui lui sont donnés. Et Allah Ta'ala, comme dit dans le Coran, on n'interroge pas sur ce qu'il fait, mais c'est nous qui serons interrogés. Et aussi parmi les sagesses, تعويد النفس على الصوم. فالدليل شويس هنا أقصد. ويقول بعض العلماء أن في الصوم أنواع الصوم ثلاثة. Et certains savants disent que dans le jeûne, les trois catégories de la patience sont présentes. صوم على طاعة الله صيام. Patience quand devant dans l'obéissance d'Allah Ta'ala dans le jeûne. وصوم على معصية الله بترك الغيبة والنميمة وقول السوء. Et de la patience à l'encontre de la désobéissance d'Allah Ta'ala dans le fait de délaisser la calomnie, le faux témoignage et la médisance. Et de la patience face au décret d'Allah. Donc Allah Ta'ala décrète par exemple une chaleur torride durant un jour dans lequel on doit jeûner ou encore la panne de sa voiture, et donc on doit faire preuve vraiment de patience face à ces décrets divins. Allah subhanahu wa ta'ala an yakun Ramadan al-an fi shahr as-sayf. Allah ta'ala a décrété que le jeûne du mois du Ramadan ait lieu actuellement en été. Wa an-nahar madhi durant lorsque la journée est longue. Hal yasum aw yaqul ana akhtar min sha'wal ash-shita. Est-ce que je ne bénéficie de retarder jusqu'à ce que l'hiver y rentre? Il est parce que c'est ce qu'Allah Ta'ala a décrété. Pour qui le jeûne est obligatoire? Non. À la musique, oui. Ce qui exclut de méfiant. La première chose qu'on lui ordonne, c'est le jeûne, la prière, le monde ou le pèlerinage. Qu'est-ce qu'on nous donne comme premier rang en écrivant? La prière, le jeûne, le monde ou le pèlerinage? الإسلام.
Pourquoi est-ce que les savants évoquent dans chaque adoration la condition de l'islam? Les marques. العبادة من الكشر الباطل لأن إذا كان لدي شيء من الشرك الأكبر فعبادته باطل يسب الرب لا يصلي يترك الصلاة بالكلية ويصوم يقول صيامك باطل لا بد أن تصلي نعم طيب فتح الله عليك car l'adoration du mécréant est nulle et caduque toute personne qui insulte Allah Ta'ala ou son prophète ou l'islam personne qui laisse la prière complètement, son jeûne n'est pas volé. On lui ordonne de jeûner et de corriger sa croyance avant de jeûner. Donc le jeûne est obligatoire pour le musulman et ensuite. Le pubère. Ce qui exclut cet enfant qui n'est pas pubère. فهل يجب الصيام على الصغير؟ لا. لكن يجب على ولي الصغير تعويد هذا الصغير على الطاعات. Mais obligatoire pour le responsable de cet enfant de l'éloigner de l'habitude aux obéissances. وذكرنا من العدل أن المرأة وهي معذورة أحيانا في نهار رمضان لا ترى تأكل وتشرب وأن هناك من يجاهد بالفطر في نهار رمضان من الرجال. On a vu que parmi les choses étonnantes, c'est que certaines femmes, lorsqu'elles sont excusées par leur menstru, leur pudeur les empêche de manger alors qu'elles sont excusées devant les autres. Alors qu'on voit des hommes aujourd'hui qui publiquement se permettent de rompre leur jeûne alors qu'ils ne sont pas excusés. Comment reconnaît-on la puberté? بات الشعر الخشن حول القدم. تمام 15 سنة. تمام ترجم له. كيف؟ ترجم له ما شاء الله. ترجم بالفرنسية اسمه. نعم. Donc je répète ce qu'il a dit donc la pousse des poils pubiens 15 ans. ثاني. Comment? L'éjaculation. والثاني هذا الثالث وذكر 15 طيب وتزيد المرأة يسكن وسط الأفراد المسلم طيب فتح الله بعدها يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل فتح الله عليك دوين ريزون خارج لهذا المجنون سكي اكسكيو سوبي كي اون ديبوف فهل يجب الصيام على المجنون نعم ام لا يعني اسكو سوبي كي لا بارا ريزون ام لا ريزون فلو جون دو نو لا الذي يعني لو خاص سوبي كي سيري نعم لا يجب الصيام على المجنون لانه رفع عنه التكليف طيب هل يجب الصيام على السكران العاقل نعم
المقيم؟ نعم. المقيم؟ المقيم. خرج بهذا المسافر. الريزيدونس كي اكسكلود دو فواياجور. فهل يجب الصوم على المسافر؟ لا. الجن دو اوبليغاتوار بور لو فواياجور. لكن الاولى بالمسافر ان يصوم على يشق عليه. Mais la priorité pour le voyageur est de jeûner tant qu'il n'y a pas de difficulté pour lui. Pourquoi avons-nous considéré que la priorité pour le voyageur est de jeûner tant qu'il n'y a pas de difficulté pour lui? Pour quatre choses. Premièrement, la facilité de jeûner avec ou le responsable de ses actions pendant le mois du Ramadan avec les gens. Deuxièmement aussi, atteindre, parvenir, profiter de la vertu de ce mois. Et aussi car cela fait partie des actes du prophète alayhi salam. Et aussi le fait de retarder le jeûne du Ramadan peut avoir des défauts qui consistent à accumuler des adorations qui seront pour lui difficiles à accomplir au moment venu. مثال الآن أسئلة كثيرة عن ذلك وبخاصة بعض النساء عندنا الرضيع يسأل علي صيام رمضان ولم أصم الآن وقد يدخل علي رمضان فهذا التأخير له آفات تضطر الواجبات حتى يجز عنه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يبادر كالذي حزن. نعم. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui parviennent aux juifs, notamment de la part des femmes, dans lesquelles elles demandent comment doivent-elles rattraper le jeûne qu'elles ont en suspens, car elles ont mis du temps, trop de temps à le rattraper. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, nous a appris à travers cette tradition prophétique de rattraper directement lorsqu'il le pouvait les adorations qu'il avait donc, en suspens, qu'il n'avait pas encore accompli. Et ça concerne aussi en particulier les personnes qui sont sur la route énormément, comme les chauffeurs de poids lourds ou encore les chauffeurs des bus et ainsi de suite. Al-Muslim, Al-Ba'al, Al-Aqil, Al-Muqim, résident. الصحة. سميك الصحيح. الصحيح أن خرج بهذا السقيم المريض. سقيم كل المرض. ذكرنا المرض هنا ينقسم إلى قسمين. هذه المرض هي سقيم ذو كاتيجوري. مرض لا يؤثر ولا يؤدي إلى ترك الصيام. المرض التي لا تعرض للسقيم التي تعمل على طول في الأسماء الجيدة. مثال. جرح في إصبع. بليسيو هو. عطاس زكام مثلا. لا بيمنع تقديم عطاس. هذا لا يؤثر ولا يؤدي إلى ترك الصيام. ما يشوف على اليسوع وهو مجروح في إصبع. نعم. سيدنا بعد الفلوس sur le délaissement du jeûne, car il n'est pas difficile pour lui de jeûner alors qu'il est blessé au bord parce qu'il est rempli. لكن ماذا؟ مرض سكر أو ضغط القلب أو ما عدا ذلك من أمراض التي يذكر فيها الأطباء لا بد أن يتناول الدواء ولا يصوم. Alors que les maladies telles que le diabète ou la pression artérielle, les médecins stipulent qu'il doit obligatoirement ne pas jeûner pour rester en bonne santé. معنى مسلم musulman بالغ puber عاقل بوعي الرزق صحيح en bonne santé مقيم résident و أخذوا من الحيض منك
pour la femme qu'elle ne soit ni empereur de monstrueux ni qu'elle ait ses bouchées. طيب ما هي مفسدات الصوم او المفطرات او مفطرات الصوم ايش احنا كل بس نعم quels sont les actes qui annulent le jeûne من يعرف qui sait سبحان الله هؤلاء اذا لا يعرفون المفطرات صيام مباح si cela يعرفون هذا قد ياتي بمفسد الصيام ولا يعرفون هذا المفسد او قد يخاف أحيانا يتحول من أشياء وهي ليست من المفطرات. شيخ يقول si vous ne connaissez pas les actes qui annulent le jeûne, ça peut amener à l'annulation de votre jeûne. Car il est possible que vous accomplissiez une chose que vous n'aviez pas le droit de faire qui va annuler le jeûne, ou que vous délaissiez des choses en pensant que vous annulez le jeûne alors qu'elles n'ont pas d'incidence dessus. Donc c'est important à savoir. ما هي مفسدات الصوم؟ Quels sont les actes qui annulent le jeûne؟ نعم الرد على الاسلام فتح الله عليك اجلس نعم فتح الله عليك الاول الرد على الاسلام لان الرد محجب على كل الاعمال نعم الابوستازي le fait d'apostasier annule toutes les actions c'est-à-dire le fait de voter sa foi au réel ça fait partie des actes qui le jeûne entre autres comment ça سب الرب سبت الله عز وجل سب النبي صلى الله عليه وسلم سبت البروفيت عليه الصلاه والسلام سب دين الاسلام سبت الاسلام لا تسمع يوم من الايام رجل من اليهود والنصارى يسب موسى او عيسى عليه الصلاه والسلام Jamais je n'entends un jour ou l'autre, un juif ou un chrétien, insulter Moussa ou bien Issa, qu'Allah. Ou Allah Azzawajal. Ou Allah Azzawajal. Lakin tajid min man yadda'i l'islam, man yasmina. Alors que tu trouves parmi les gens qui prétendent être musulmans, certains qui font cela. Ceci est de l'apostasie. إذا كان أحد لا يعرف أن هذا ردة, ماذا يعرف من الإسلام أصلا؟ قلنا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Si quelqu'un ignore que le fait d'insulter Allah, son messager, sa religion fait sortir de l'islam, qu'est-ce qu'il connaît de l'islam? Allah dans le Coran dit est-ce d'Allah de ses signes et de son messager dont vous moquez, ne vous excusez pas, vous êtes allez certes quitter la foi, vous êtes certes mécréant après avoir eu la foi. الذي يسمع السب والاستهزاء ولا يمكن او ينصرف حكم السب والاستهزاء celui qui entend quelqu'un se moquer et qui ne blâme pas cela ou bien qui s'en va sans rien dire son jugement sera égal à celui qui s'est moqué يعني تسمع السب والاستهزاء ماذا تصنع Tu entends quelqu'un qui se moque et qui insulte, qu'est-ce que tu dois faire? T'es ok. Tu dois blâmer, c'est pas. Ah, t'es en salle. Où tu vas? طيب الواقع عندنا اليوم احنا نريد ان نتحدث عن الواقع اليوم نعم concrètement aujourd'hui on aimerait parler d'une chose qui arrive aujourd'hui قبل هذا ما الدليل على ان الذي يسمع السب والاستهزاء ولا يمكن او ينصرف حكم السب والمستهزاء Premièrement, avant cela, quelle est la preuve que celui qui, lorsqu'il entend de la moquerie ou de l'insulte, et qui ne blâme pas cette chose-là, ou bien qui ne quitte pas l'assemblée dans laquelle cela se trouve, a le même jugement que celui qui se moque ou bien qui insulte. Il a certes été descendu dans le livre que lorsque des versets sont descendus et qu'on s'en moque, ou bien pour les remis, ne restez pas assis avec eux, ne restez pas avec eux, tant qu'ils ne discutent pas d'autre chose. Là, vous serez certes comme eux. Comment cela peut-il arriver durant le mois de Ramadan? Un nas, un qasim qui a le bab et la qasim. Les gens dans ce chapitre-là se divisent en deux catégories. Dans ceux qui se préparent pour le mois du Ramadan. Restez
grâce à ce fait Hosseïa, peut être le mois, un yobel le Ramadan. Donc une partie des gens qui se préparent pour le mois du Ramadan à travers l'étude des règles relatives au jeûne et qui, à Allah Ta'ala, nous permettent de jeûner le mois du Ramadan. Et une partie qui agit jour et nuit pendant des années. لماذا؟ لبرامج رمضان، برامج خاصة في الكفر والإلحاد والاستهزاء والسب. Pendant des années, tu dois préparer des programmes spéciaux pour le mois du Ramadan dans lesquels on trouve la mécréance, l'athéisme, la moquerie et l'insulte. ويسمون أبناء الإسلام. Et ils appellent avec d'autres noms qui sont les leurs. تمثيليات إسلامية. Ils appellent ça des représentations islamiques. كما قالوا ربا إسلامي. Comme ils ont dit, les intérêts islamiques. ورقص إسلامي. Ou encore la danse islamique. ومع ذلك. Et d'autres choses du genre. في القديم. Auparavant. أول ما بدأ بالتمثيليات التي يسمونها إسلامية وفي الحقيقة تمثيليات كفرية. Lorsqu'ils ont commencé à faire des représentations islamiques, alors qu'en réalité ce sont des représentations de la méfiance. Ils ont commencé à représenter les compagnons, les mineurs, pas les plus grands parmi eux. Après, les plus grands parmi les compagnons. Ensuite, de quels prophètes et messagers sur la paix d'Allah et tout ça. Et après, par le prophète lui-même. Après, par les anges. Et après, par Allah, c'est lui-même. Qu'est-ce que cela veut à travers cela? À travers cela, ils veulent que tu sois mécréant. أبو جهل فهو أبو جهل مشكل يمثل دور إبليس ثلاثة ضدهن جن وهزمهن جن منها الردة ما يمكن يلعب بها يلعب يحلف بالله والعزم ويسب الرب ويسجد للصنم وأنت ترى أمامك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بهم واستهزئ بهم فلا تقعدوا معهم حتى يفروا في حديث غيرهم انهم اذا مثلهم هذا ما يتعلق بالامر مفسد او خطير عظيم نعم طيب أخطأ طيب